Bonjour les lions et bienvenue dans votre tirage sentimental pour le mois d'août 2024. J'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau type de tirage puisque pour ceux qui connaissent la chaîne, vous avez vu qu'il y a quelques modifications sur le tirage habituel au niveau sentimental. Et surtout la nouveauté va se situer ici puisque à la fin du tirage, je vais vous demander de choisir l'une de ces trois cartes avant que je les retourne. Et vous allez pouvoir poser en fait une question à la boule de cristal et en vous basant sur votre intuition, vous allez choisir une carte, celle qui vous attire le plus et ainsi vous aurez votre réponse lorsque je les retournerai, ok? Donc on fera ça tout à l'heure. Avant de commencer ce tirage, je voulais vous informer que j'avais fait deux méditations guidées l'année dernière sur ma chaîne YouTube. Elles sont disponibles dans une playlist que j'ai créée, donc vous allez sur ma page d'accueil, vous allez dans playlist et vous allez les trouver. Et donc je vous invite à les essayer, ce sont des aventures en audio, donc ça s'écoute au casque. Et le but c'est vraiment de vous apporter du calme, de la sérénité et un petit moment de détente très sympa, très agréable. J'ai écrit donc deux scénarios, l'un c'est une balade en forêt pour retrouver le calme, pour vraiment, si vous êtes stressé à tout moment de l'année, vous pouvez l'essayer et même la refaire plusieurs fois. Et puis la deuxième, c'est un scénario qui se passe en été. Vous allez passer des vacances en amoureux avec la personne de votre choix. Et c'est bien sûr votre imagination qui va faire tout le travail. Vous laissez guider par ma voix et vous allez vivre une expérience formidable. Donc n'hésitez pas à les essayer et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. J'en écrirai d'autres prochainement. N'oubliez pas que ce tirage, bien sûr, est un tirage sur YouTube, donc c'est pas votre tirage privé, il est mis à disposition de toutes les personnes de votre signe. Donc il y aura des infos pour vous et d'autres qui seront tout simplement pour d'autres lions. Mais si vous souhaitez une guidance personnalisée, dans ce cas-là, il faut aller sur mon site spirale-guidance.com, vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir une des 6 formules au choix, soit une guidance à distance par mail où je vous envoie la photo de votre tirage avec toutes les explications par écrit, soit une guidance en direct par téléphone où on peut échanger un peu plus en profondeur sur vos questions. Voilà les amis, eh bien écoutez, on va tout de suite passer maintenant à la révélation de votre tirage. Donc avec le tarot de la sorcière, vous avez eu la carte de la justice. Avec cette carte, on parle de rétablir un équilibre dans votre vie affective et peut-être aussi voilà, une forme d'équité. Si vous êtes dans une relation amoureuse actuellement, les lions, et que vous sentez qu'il y a une sorte de déséquilibre parce que peut-être qu'il y en a un des deux qui fait plus d'efforts que l'autre pour maintenir cette relation ou ce genre de choses-là, si c'est pas vraiment très harmonieux ce que vous vivez, on nous dit ici qu'avec cette carte-là, eh bien, il y a quelque chose qui va s'améliorer, que ce soit de votre fait ou ça va être les choses qui vont s'améliorer de manière naturelle, sans effort, mais ça peut être aussi un effort de votre partenaire s'il se rend compte que, si il ou elle, pardon, se rend compte que il n'est pas assez impliqué dans la relation, ok? Vous allez gagner en clarté des choses. Sur cette carte, on y voit une femme qui tient une épée comme ça, dorée, et qui tranche un petit peu. Hein. L'épée, c'est le symbole où on va prendre une décision radicale, on va trancher dans le vif, et c'est pas qu'on impose sa loi, hein, c'est qu'on a beaucoup réfléchi, qu'on est sûr de nous aujourd'hui, donc clac, coup d'épée, et on pose sur la table notre opinion. Ça veut pas dire qu'on va l'imposer aux autres, mais ça veut dire qu'on a tellement mûri une réflexion sur un sujet, sur une question, que maintenant on est sûr de notre choix. Attention, c'est pas forcément quelque chose de punitif, c'est-à-dire que la carte de la justice, c'est pas pour se faire justice, d'accord? C'est vraiment plutôt une carte qui fait référence à l'équilibre naturel des choses que l'on va soit essayer d'apporter, de provoquer ou de chercher, ou soit un équilibre qui peut être perturbé, mais ça va être en fonction des autres cartes. Mais là, à elle seule, on parle d'un rétablissement de l'équilibre. Donc il y a une stabilité qui pourrait se retrouver dans votre vie affective, les lions. Et si vous êtes une personne lion célibataire, ça peut indiquer aussi que la justice arrive, c'est-à-dire qu'on va enfin vous apporter ce que vous attendez, à savoir peut-être une nouvelle rencontre. Après, il y a aussi des célibataires qui veulent rester célibataires, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais pour moi, la justice, c'est une sorte aussi de récompense par rapport à une attente. Avec cette carte, on nous dit aussi qu'il n'est pas question de faire un choix entre deux propositions, mais plutôt d'accepter les deux dans leur ensemble pour trouver une sorte de juste milieu. Okay ? Donc c'est vraiment une carte qui peut faire référence au signe de la balance. C'est vraiment quelque chose qui symbolise la stabilité, l'ancrage, d'accord, et l'équilibre très important dans une relation ou dans votre vie affective. Donc ça reste évidemment une très bonne carte. Ça peut vouloir aussi dire que vous êtes prêt à accepter votre situation telle qu'elle est aujourd'hui et peut-être arrêter de chercher toujours mieux, toujours plus, et simplement être un peu dans l'appréciation du présent pour ce que l'univers a à nous offrir tous les jours. Voilà un petit peu le message de cette carte.
Alors ensuite, avec la destinée des flammes jumelles, vous avez eu réalisation de soi et médisance. Alors, réalisation de soi, bon bah je vous la montre comme ça, mais en fait c'est juste une illustration très jolie hein, d'une femme donc qui a l'air effectivement de se sentir libre ou libérée de quelque chose et d'être vraiment dans un bien-être assez intense. Et c'est sûr que là, c'est une carte très puissante. On nous dit, les lions, que vous pourriez au mois d'août ressentir vraiment qui vous êtes, c'est-à-dire avoir peut-être des clés que vous n'aviez pas avant pour comprendre vos mécanismes personnels, comprendre comment vous fonctionnez, pourquoi vous êtes ainsi et pourquoi telle ou telle situation, par exemple, peut vous affecter plus que les autres. Réalisation de soi, c'est comprendre qu'on est une personne unique et qu'on a, comme tout le monde, on a notre propre mode d'emploi. On a donc une personnalité qui est vraiment unique et qui n'est pas calquée sur quelqu'un d'autre. Vous allez comprendre en fait ça. Ça paraît bête ce que je dis. Mais quand on le réalise, on comprend à quel point on était peut-être les yeux fermés tout ce temps-là et que là, on va ouvrir enfin les yeux sur soi. Ça peut être aussi une sorte de porte qui s'ouvre en vous sur le fait de comprendre vos désirs les plus profonds. De comprendre également quelles sont vos compétences dans la vie et dans la vie affective notamment. Voilà, vous allez vraiment être en phase avec vous-même. Pour moi, à côté de la justice, c'est super hein, comme duo de cartes déjà parce que ça nous parle vraiment bah, de... C'est un mois d'équilibre, le mois d'août. Hein. Vous allez voir les cartes suivantes, on est un peu sur cette idée-là aussi. Alors bien évidemment, vous avez probablement traversé aussi des épreuves, voilà, des défis, comme tout le monde, qui vous ont permis d'apprendre tout au long de votre vie, sur qui vous étiez, sur votre vie affective, voilà, les erreurs à ne pas refaire, etc. Mais avec cette carte, on comprend. On est sur un chemin de compréhension qui continue chaque jour à nous apprendre. Hein, il n'y a pas de finalité, on apprend tout au long de sa vie, quel que soit votre âge du coup. Mais c'est vrai que la réalisation de soi, c'est pas on va se comprendre forcément dans son entièreté, mais au moins on va apprendre une très belle leçon sur nous-mêmes au mois d'août. Vous allez de plus en plus vers la paix intérieure, en fait, les lions, c'est ce que je ressens ici aussi. C'est vraiment ce symbole-là, c'est la paix intérieure. C'est j'accepte la situation telle qu'elle est aujourd'hui et je m'accepte moi-même comme je suis aussi. Ça ne veut pas dire arrêter de faire des efforts pour essayer d'être une meilleure personne. Au contraire, ça aussi, on peut le faire tout au long de sa vie. Mais c'est juste arrêter de se prendre la tête sur des sujets, sur des détails peut-être qui... finalement vous apporte un peu de négatif parce que vous mettez peut-être beaucoup de pression sur vous, sur votre partenaire, sur la relation, etc. Donc là, non, réalisation de soi, on est en paix, on comprend des choses et on comprend aussi que ça ne sert à rien de s'énerver ou de se prendre la tête sur des détails futiles. Ensuite, vous avez la carte médisance. Alors, comme son nom l'indique, là, on va nous parler d'informations que vous pourriez apprendre, des paroles qui auraient pu être dites dans votre dos, concernant votre relation actuelle ou concernant vous ou votre partenaire. Avec cette carte, on a l'idée d'apprendre quelque chose qui a été dit sur nous et qui forcément n'est pas très glorieux, hein, on va dire, mais ça peut être quelque chose qui n'est pas fondé. Alors, parfois, des médisances, elles peuvent être avérées. Il y a peut-être quelqu'un, ça peut être un ex ou une ex, ça peut être quelqu'un qui est jaloux de vous, qui vous connaît assez bien et qui peut... Qui peut dire des choses sur vous dans votre dos, mais qui sont vraies par rapport à quelque chose que vous avez dit un jour ou fait un jour, ok ? Mais ça peut être aussi des rumeurs infondées. Voilà, donc là, c'est votre réputation qui est un petit peu en jeu. Alors, vous êtes un petit peu un signe voilà, qui peut se mettre vite en colère. Donc, attention au contrôle de vos émotions, les lions. C'est pas parce que vous apprenez que quelqu'un a dit quelque chose sur vous que forcément, il faut partir en live. Essayez un petit peu de gérer vos émotions, ok ? D'autant plus que si c'est pas du tout quelque chose qui est vrai ou qui est pas fondé, bah, ça sert à rien de s'énerver. C'est juste quelqu'un qui avait besoin de se défouler. Mais c'est du vent puisque ce n'est pas réel, ok ? Par contre, si vous apprenez que quelqu'un a révélé quelque chose sur vous et qui est vrai, et dont vous n'êtes peut-être pas forcément très fier de vous, c'est vrai que ça peut vous mettre en colère. Mais voilà, essayez de ne pas aller de monter dans les tours et essayez de contrôler un peu tout ça. Après, ça sera votre choix personnel de savoir si vous souhaitez entamer le dialogue avec cette personne pour savoir pourquoi elle a balancé quelque chose sur vous ou tout simplement rester dans l'ignorance et mieux vous porter sans avoir à parler avec cette personne. Donc effectivement, il y a des lions qui pourraient apprendre quelque chose qui a été dit sur eux dans leur dos, donc c'est pas très sympa, c'est sûr. Mais après, voilà, faut pas vous laisser affecter par ces paroles. Bien souvent, en plus, c'est vraiment calomnieux et c'est pas fondé, donc rien ne sert de s'énerver.
On va aller voir maintenant avec l'oracle du soleil. Et vous avez eu la carte harmonie. Donc c'est pour ça que depuis tout à l'heure, je parlais d'équilibre et de stabilité. Effectivement, cette carte-là symbolise cet équilibre, puisqu'en plus, c'est l'influence du signe de la balance associée au soleil, donc à la planète du soleil. Donc évidemment, cette carte respire que tout va dans le bon sens, que tout se passe bien pour vous. Et aligné avec la carte de la justice, on a réellement quelque chose qui va s'amplifier, ça renforce en fait le message d'équilibre et d'harmonie dans votre vie affective. Encore une fois, vous l'adaptez à votre situation. Si vous êtes célibataire, il est tout à fait possible d'être heureux tout en étant seul, il n'y a pas de souci là-dessus. Et en soi, vous acceptez la situation sur le mois d'août. Si vous êtes en couple et que vous êtes dans une relation qui fonctionne très bien, eh bien, tout va continuer à très bien se passer parce que vous êtes en phase de réalisation de vous-même et en acceptant également de rétablir une sorte d'équilibre. Voilà, donc c'est très très bien. Et si vous êtes dans une relation qui est un petit peu qui se passe pas très bien, ça reste un tirage méga positif dans tous les sens du terme. Je pense que les énergies sont favorables au Lion sur le mois d'août pour votre vie sentimentale. Donc bien sûr, je vous encourage à aller voir votre tirage général du mois d'août qui est aussi disponible sur ma chaîne, et pourquoi pas le tirage de votre signe ascendant pour avoir un petit complément d'information. C'est aussi la carte des décisions difficiles à prendre, les Lions. Donc c'est vrai que malgré tout le rayonnement positif qui émane de cette carte, on nous parle quand même d'un choix difficile. Il faudra donc, pareil, hein, contrôler vos émotions et ne pas vous laisser submerger par quelque chose qui pourrait vous induire en erreur lorsqu'il s'agira de prendre une décision. Ça peut nous parler également d'un pacte ou d'un accord, donc quelque chose qui va se concrétiser dans la vie affective. Ça peut être un pacte avec votre partenaire, ça peut être une officialisation de relation, bien sûr, un mariage, un pax, voilà, des fiançailles, ou tout simplement une étape importante comme présenter votre partenaire à votre famille pour la première fois, ou peut-être essayer de créer une famille, faire des enfants ou emménager ensemble. Bref, il y a quelque chose de positif qui avance pour les Lions, c'est certain. On nous dit aussi que votre avis sera très respecté sur le mois d'août et que bah, y a des personnes de votre entourage qui pourraient vous solliciter pour avoir votre opinion sur une situation quelconque. Ça, c'est un petit message en plus que je vous donne, qui n'a pas forcément de lien avec la vie sentimentale, mais c'est important de le souligner. Je pense que les Lions, en fait, vous êtes également, vous avez tendance à le prendre très mal quand on ne fait pas attention à ce que vous dites ou quand vous ne brillez pas assez. Et là, c'est vraiment votre occasion de briller, c'est-à-dire que bah, vous avez une belle aura, un beau charisme, voilà, vous dégagez quelque chose de sympathique et les gens voudront savoir ce que vous pensez d'une personne ou d'une situation. Alors maintenant les amis, on va passer à la partie interactive de ce tirage. Donc on va se concentrer sur ces trois cartes-là. Je vais vous demander de vous concentrer, donc de prendre une grande inspiration, ok ? De vous poser mentalement une question dans la tête qui est en rapport avec la vie sentimentale et de vous laisser guider par votre intuition pour savoir laquelle de ces trois cartes vous attire vraiment plus que les autres. N'essayez pas de choisir la plus belle, la moins abîmée, celle qui est la mieux éclairée. Essayez plutôt de, voilà, laquelle vous attire le plus. C'est très important de le ressentir. Bien évidemment, je vous précise qu'il est important de poser une question fermée, c'est-à-dire une question dont la réponse peut être un oui, un non ou un peut-être, mais pas des questions trop ouvertes. Si vous demandez quelle est la prochaine destination de nos vacances avec mon partenaire, ou je sais pas, ou encore à quoi va ressembler la personne idéale pour moi ce mois-ci si je fais une rencontre, bien sûr, il n'y aura pas ce type de réponse derrière les cartes. Donc je vous laisse quelques instants et n'oubliez pas, concentrez-vous bien, je vous laisse quelques secondes et choisissez celle qui vous attire le plus. C'est bon pour vous? Si vous avez besoin de plus de temps, vous pouvez mettre pause, mais je vais retourner les cartes dès à présent. Alors, pour ceux qui ont choisi la première carte, vous avez reconsidéré la situation. Donc là, on vous invite peut-être à réfléchir parce que vous n'avez peut-être pas tous les éléments de réponse à votre connaissance aujourd'hui par rapport à la question que vous avez posée et qu'il est important aussi de relativiser, ok ? Donc il ne faut pas monter dans les tours, il faut peut-être reconsidérer la chose, c'est-à-dire la voir sous un angle différent. Et grâce à cette prise de recul, vous allez peut-être comprendre quelque chose que vous ne voyez pas jusqu'à présent. Ok ? Donc, reconsidérer la situation, ça veut dire que vous pourriez vous reposer la question plus tard, mais qu'aujourd'hui, vous n'avez pas tous les éléments à votre connaissance. Pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, vous avez le message « lâcher prise ».
Donc je pense que tout est dit dans ces deux mots. Vous devez tout simplement faire confiance à l'univers, à vos guides, qui savent très bien ce qu'ils font, alors que nous, parfois, c'est vrai qu'on on se pose des questions, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Cette carte vous invite à arrêter d'essayer d'avoir le contrôle sur tout. C'est pas possible de tout gérer. Et surtout, laissez-vous vivre dans la douceur. Laissez les choses se faire de manière naturelle. Et pour ceux qui ont choisi la troisième carte, vous avez le message, vous allez dans la bonne direction. Donc très bonne nouvelle pour ceux qui voulaient une réponse positive. Là, on nous dit qu'effectivement, c'est très favorable. Ça veut dire que les choix que vous avez commencé à faire sont les bons et vont naturellement vous mettre dans la bonne direction. Ok ? Donc voilà les amis, pour vous, j'espère que ce nouveau type de tirage vous a plu et j'espère que les réponses apportées seront pertinentes pour vous. Je vous affiche ici les 5 petites actions dont j'ai besoin de votre part, donc n'hésitez pas à prendre quelques secondes pour mettre un petit message, commenter, liker ou partager, ou tout simplement vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous en remercie infiniment et très sincèrement. Bien évidemment, je vous invite aussi à me retrouver sur TikTok, puisque toutes les semaines, j'y propose des tirages express pour votre signe. Vous allez pouvoir donc avoir des informations supplémentaires par rapport aux guidances mensuelles de YouTube. Et puis enfin, n'hésitez pas à demander une guidance privée avec moi, si le cœur vous en dit, si vous souhaitez que j'interroge mes guides pour vous. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très beau mois d'août et un bel été, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi. Et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt !